Dépêche-toi, Julien. Je sais que ton père n'aime pas être en retard. Pourquoi retourne-toi en Espagne comme l'année dernière? On peut pas se payer des vacances de riche tous les ans. Allez! Papa! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, les salauds! Dis donc, c'est mauvais signe. Sacré merfouillard, c'est bien cru qu'elle nous avait jeté un sort. Sortez-moi de là, dépêchez-vous! Ah. Oh. Julien! Tiens, non, c'est pas croyable, les deux attaches ont cassé en même temps! Ouais, ça a l'air d'aller. Elle a rien. Et nous alors? Tenons non, pas si on a rien? J'aurais pu être tué par ta faute! Enfin, par ma faute, en fait, ce sont les attaches qui ont cassé! Mais j'avais plein le dos, ça ne m'entend! Quand je m'écrase les cheveux, j'ai les reins en compote! Regarde mes bottines fichues! Ça pue, je me sens sale! On se retrouve dans le fossé, on est obligé de hurler! Et il y en a que pour cette satanée moto! Eh bien, moi, je prends le train! Allez. C'est l'émotion. C'est rien, ça va passer. Mon père me disait toujours, pleure donc, tu pisseras moins. Enfants, vous avez vu l'heure. J'étais folle d'inquiétude. Il fallait pas nous attendre. Je sais bien qu'avec la moto, on ne peut jamais prévoir. Job est allé se coucher. Il n'arrivait pas à lire son journal, tellement il se faisait de la bile. On a eu un accident. Tout Jésus, c'est pas vrai tout de même. Mon pauvre petit bonhomme, qu'est-ce qu'il a? Non, mais c'est rien, ce gars, il dort. Personne n'est blessé. Oh, mon pauvre Maurice, mais vous n'en ratez pas une. C'est pas de ma faute. C'est moi qui suis un ancien des chemins de fer. Je vous ai répété 100 fois que le train, c'était moins risqué. Mais non, on m'écoute pas. Alors, résultat, on peut jamais dormir tranquille. En plus, on a mis 18 heures pour faire la route. Pas parlé. Avec cette moyenne, vous auriez pu venir à pied. Allez, installez-vous, je vous ai fait une bonne potée. Oui, bon, bah demain, la mer, si vous voulez bien. Hein, parce que moi, ce soir, je suis vraiment vanné.
On pourrait pas le réveiller. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Maurice a raison, papa. Demain, il fera jour. Épilatoire. Le truc qui pue. Je vais te préparer ton petit déjeuner. Où sont mes parents? Ils dorment encore. Qu'est-ce que tu prends le matin? Ça m'est égal. À toi peut-être. Elle est à mon père, descendez de là. Si on veut. C'est pas toi qui vas faire la loi, le Parigo. Il y a 2 ans, je t'avais prévenu. Si tu remets les pieds ici, t'es mort. C'est un Parigo? Bah ouais. Tu le reconnais pas? C'est le petit-fils à la mère Basile. C'est toi qui appelles ma grand-mère la mère Basile? Bah ouais, c'était prise. Vous n'avez pas changé, il l'endroit avec toujours des voyous. Bah ouais, même qu'on est 7 et que les autres sont encore pires. Salut, moi c'est Yvon et toi? On cause pas au Parigo. Parigo, tête de veau, parisien, tête de chien. Bon, attends, tête de con. Tu sais ce qu'il dit, le breton? Ah, je me souviens maintenant. C'est celui-là qui t'a piqué Paulette, il y a 2 ans, que t'as voulu danser la dérobée avec elle. Alors, Juliette, t'as retrouvé tes copains? Ils devaient être contents de te revoir. Ça fait 1 mois que le grand Anderlecht me demande sans arrêt. Alors, madame Basile, il va revenir, Julien, cette année? Ah, mais t'es là, mon gars. Je suis passé te voir ce matin. Tu dormais comme une souche. Et trop dormir, ça épaissit le sang. Faut que tu profites de tes vacances. Tu n'as pas l'air bavard ce matin. Dites, Maurice, c'est pas que je vous regrette le pain, mais tout de même, ce matin, vous avez la main un peu lourde. Tout à l'heure, on va aller à la mer. Après la potée. En moto avec mémé? Bah, bien sûr, on va pas y aller à pied. C'est à 30 km. Et puis toi aussi? Oh là là, pas question, ça. La mer, très peu pour moi. Puis j'ai tous mes chrysanthèmes à buter. Demain, vous partez? Eh oui, faut bien travailler. Tournera un jour en Espagne. Elle est bonne, hein? Tu veux ton 4 heures? C'est pas de maman qui l'attrape la crève. Oh, la crève, tu parles? Le drôle de mon vivifiant, l'heure en Bretagne. Tiens, Julien, t'attrape plutôt ça. Tu es une vraie brute, tu peux pas faire attention. Mais il avait qu'à l'attraper, hein? La bonne confiture comme ça. Gratte la rhubarbe et mange le pain. Ouais, ben moi, j'ai pas digéré la potée. Hein. Oui, je vous avais dit ce matin de ne pas vous bourrer de pain.
droite, Maurice. Attention. Qu'on se retrouve dans le fossé avec cette satanée moto, passe encore. Mais maman, à son âge, alors là, tu dépasses les bornes. La voilà couchée sans manger, tellement elle a eu peur. Vous n'aurez pas de mal, c'est un garçon facile, gentil comme tout. Ah oui, alors? Ah, celui-là, il est gentil. C'est mon préféré de tous mes petits enfants. Oh, tu devrais pas dire ça, Job, ils sont tous bien gentils. J'ai mon préféré. Parfois, il est même trop gentil, il se fait bouffer de la laine sur le dos. Pour ça, il ressemble à son père. Vous savez que c'est gentil, la mère, de me tricoter un pull pendant que votre fille me taille un costard. Ah, sacré Maurice. Flamme au salka. Mes parents sont pas là? Ah non, ils sont partis très tôt ce matin. Assois-toi. Je te sers ton petit déjeuner. Oh là, j'en ai partout. Voilà. Assois-toi. Et mémé? Ah ben, il revient. Elle est allée voir une pauvre dame, là, qui est très malade. Tiens. Ça, c'est bon. Ben, tu manges pas? Enfin, Jean, par quoi tu penses? Un café noir, c'est encore un gosse. Il faut lui faire du chocolat ou un lait chaud. Mais qu'est-ce que je sais, moi? Tu parles, tu dis rien. Faut que je devine tout. Oh, et puis zut! Je m'en vais dans mon jardin. J'ai bien vu comment tu l'as relu de chez la fille Morgan. Elle est chouette, hein. Bah, elle est trop chouette pour toi. D'ailleurs, t'es moche comme un pou et t'es même pas de chez nous. Je t'en retourne toi, pauvre cloche. Même que je suis née là-bas, à l'hôpital. Demande à le karmique si c'est pas vrai. On est nés le même jour, tous les deux, dans la même chambre. C'est vrai, mais on me l'a dit. Ouais, bah c'est pas une raison. Tu touches pas la fille Morgan, c'est tout. Ta copine, peut-être? Chasse gardée. Chasse gardée? Ha! Tu me parles. Il aimerait bien lui faire pix dans l'œil de Perdrix, mais il est trop manche pour ça. Jouer avec ceux de la rue? Plus des crétins. Le portrait graché de sa mère. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta carcasse? Ta grand-mère et moi, on n'est plus très rigolo pour un garçon de ton âge. Mais si t'as rien d'autre à faire, aide-moi donc à arracher les mauvaises herbes. Il y en a bientôt autant que de crétins sur cette terre. Mon Dieu! Vous n'avez pas vu celui-là? Il y a des serpents? Et oui, mon gars, il y a des serpents. Mais ceux-là, ils ne sont pas méchants. On les appelle des serpents de verre. Ça boulotte seulement les insectes. Les orvets bouffent les vers. Rip bouffe les orvets.
Et moi, je serai bouffé par les vers quand je serai mort. C'est la vie. Pas beaucoup à apprendre. Je vais dans un autre jardin cet après-midi. Tu veux venir avec moi? Oui. C'est vrai que tu dors jamais? Je dors quelques heures par-ci par-là. Au bout d'un moment, j'ai des picolements dans les jambes. Je me gratte. Je me mets de la pommade, mais rien n'y fait. Alors je me lève et je vais pêcher mon jardin. La nuit? La nuit, oui. On est plus tranquille. Il n'y a que les loups et moi. Il y a des loups? Eh bien, bien sûr que des loups en Bretagne, bien sûr. Il y a toujours eu des loups en Bretagne. Mais tonton Luche monte la garde. Il les tient en respect. T'es sûr, tonton Luche? C'est de la blague, j'y crois plus. Pourquoi t'as mal au nerf? Pourquoi? C'est comme ça. Depuis que j'ai 20 ans. Depuis que j'ai dansé la polka avec la mort au chemin des dames. Tu peux compter. Ça fait quelques années. Puis maintenant, on évite de me contrarier. Allez, où? Si vous entrez, ôtez vos sabots, je vous prie. Tiens, vas-y, toi. Commence à me casser les noix, celle-là. Au prix qu'il me paye. Attends ici, je vais te donner quelque chose. Je m'appelle Gabriel. Julien. Qu'est-ce que tu fais là? J'apporte... Je suis avec mon grand-père. Ah, jardinier. Tu habites où? À Paris. À Paris? Tu habites à Paris? Tu en as de la chance. Paris, c'est mon rêve. Tu es breton? Bof, mes parents habiteront, je les vois jamais. Mon père est tout bip et ma mère passe tout son temps à s'occuper d'elle. Alors les vacances, j'y coupe pas. Je suis bon pour la pension chez ma grand-mère. Qu'est-ce qu'on rigole? Tu connais sûrement la pépé à Paris? La pépé? La petite salpêtrière, c'est des hôpitaux. C'est des vélos de famille. Personne ne s'en sert jamais dans la famille. Et la dame en photo, dans l'entrée? Ma grand-mère, elle était modèle à Paris quand elle était jeune. Maintenant, elle est vieille, moche et radine, mais je l'aime bien. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille à l'hôpital du 7. Il est toubib? Non, il fait manger les toubibs. Il est cuisinier. Alors, il en connaît plein. Dans la famille, on est tous médecins, depuis le temps des Romains. Moi aussi, je serai médecin. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi? Je sais pas. Je te préviens, Jeanne. Si elle me fait encore une réflexion, je lui claque le bec à cette bécasse. Allez, Julien, dodo les pattes en rond. Tu me portes sur ton dos? Oh non, t'es trop grand maintenant. Les draps sont mouillés. C'est l'humidité, je vais t'apporter une bouillotte. Mémé, tu sais la dame que Pépé a dans le nez? Elle était modèle de mode à Paris quand elle était jeune.
Elle était très belle. Ah. Mémé, toi aussi t'étais très belle quand t'étais jeune. Comment tu sais ça, toi? Moi aussi, à la place de Pépé, je t'aurais épousé. Julien? Tu m'as pris? Oui. Tu vas bien? Si je vais bien... Tu sais, j'ai entendu les bêtises que Corian Dolac disait sur toi. C'est vraiment un crétin. Tu vas à la messe dimanche? Nous, tu sais, la messe, dans la famille... De plus en plus long dans ces salamandres. Allez, aujourd'hui, on se fait des gâteaux. Tu vas à la messe tous les dimanches? Ah non, pas tous les dimanches, quand ça me prend. D'autant plus que je crois pas trop au bon Dieu et à tous ses saints. Pourquoi tu vas alors? Ah, bonne question, mon gars. Les curés et les militaires, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. À mon âge, faut se tenir prête. Je suis assez vieille pour mourir, non? Alors l'autre là-haut, s'il existe vraiment, eh ben... Je veux pas être laissé pour compte, tu comprends? Non mais je préfère être sourd que d'entendre ça. Peut-être qu'il voudra pas de moi quand même parce que j'aurais pas assez cru à lui. Au moins j'aurais essayé de lui être sympathique. Dis donc Julien, tu vas pas nous faire le coup de la messe tous les dimanches, par exemple? Hé hey, Julien, viens voir. On fait un jeu de piste tantôt, ça te dit? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pas rigolo, ça sert à rien. Attends, on va t'expliquer. Il y a les filles qui partent d'abord. Elles font des flèches à la craie. Sur les arbres. Sur les arbres. Puis les autres tracent la route après elles pour essayer de les retrouver. Elles planquent des questions à répondre en haut des arbres. Tu vas te la fermer, tu sais même pas lire. Alors ça te dit? Il y aura la fille Morgan. Pix dans l'œil de perdre. D'accord. Stop là.